Chers compatriotes, Mbotena Binoba, So Esika Bozali, So Kida Tongo, So Kipena Pokwa. Voilà. Tokola Kisabino Lelo, Ndenge To Prometa Kibino, Ba Malheur, Ya Kalev Moutonde, Ezali Ko Continue. Voilà, Bandeko Ba Bolingo, Ezala Kia Solo. Bakanga kiye na aéroport sikoyo tokola kisabino document moko euti na DGM tokola kisabino yango na ndenge ya vidéo tokotangi sabino yango eza clarté mais ezali visible biso toko ki kotanga yango. Après, chers compatriotes, nous allons vous montrer deux extraits dans lesquels nous pouvons comparer la popularité du président de la République par rapport à Vital Kamerhe. C'est curieux, la population est en train de crier « Vital Kamerhe, Moïbi !» Voilà. Et d'autre part, il y a le président de la République qui arrive à l'université de Kinshasa visiter. Et on se rend compte qu'il est populaire. Et voilà, les étudiants, apparemment, ils sont très contents de son arrivée à l'université de Kinshasa. Et par la suite, Akokende Kotalaba, saut de mouton. Akokende Kotalaba, saut de mouton. Oh, Ezali, comment on a avec Ezali, échec. C'est sûr et certain. Ezali, Akotunate. Saut de mouton, et s'il a quitté, Nathan, et Basengaki, et s'il a donc Moïbi, Ezali, Wananakati. Et pas ma conseiller à président, donc Bongo et Bongi, ils allaient comme on en a été. Bon, ceux qui m'ont en a qui, ceux qui m'ont, ils allaient qui, donc, Balinga et Basilisa. Attends, Basilicité, donc, Baibi Mongo, donc il faut Mitu et Kweya. Pour ceux qui, président, a sanctionné te, ou bien à intervenir te, donc, voilà, et Kozalanet, il est payé suspecté, mais bon. Il y a mon cas, Azali, comme il paie sa raison, Azol le baquet. Bon, ma cambrésan, la justice. Désormais, bon, la justice est entre ses mains. Bah, il a nommé des procureurs de son obéissance. C'est des anciens, mais on pense que le régime a changé. Bon, ils sont de son obéissance. C'est lui qui les a choisis. Voilà, chers compatriotes. Après, nous allons vous proposer la lecture, l'analyse de notre collaborateur Joseph Wamba. Voilà. On regarde. Eh bien, chers compatriotes, je fais lecture ici d'un document que j'ai reçu transféré sur Messenger et WhatsApp. Alors, je vous propose une vidéo sur ce document. J'ai braqué sur le document. Vous pouvez voir là, c'est un peu flou les titres, mais on voit l'armoirie de la République démocratique du Congo. Et là, en grand, vous voyez DGM, Direction Générale des Migrations. Voilà. Ici, vous voyez bien, message 206-100 ODP-DGM-TOUS. Là, c'est manuscrit, BPK, voilà, je ne vois pas. Alors, en bas, il y a CP-DGM bar frontières et frontaliers entre parenthèses tous RPT 06-00 oui ensuite il y a 06-01 ensuite, il y a 06-400. Ceux qui comprennent le jargon des services secrets peuvent déchiffrer tous ces chiffres, mais bon,
Oh, monsieur tout le monde, nous pouvons comprendre ici que c'est un message qui vient de la Direction générale des migrations. Je bouge le curseur pour voir la suite. Voilà. Numéro 2. Non, numéro 0. Je ne sais pas, c'est 3 ou bien 8. Ou 0B, barre DGM, barre DCPF, barre peut-être 19, 18, je ne sais pas, barre 011, espace, barre R, espace 02, plus loin, du 13 février 2020, et c'est très visible. Alors, texte et signature. Suivez mon curseur, vous voyez? V, S ou V5 et 6. Ouais. En chiffres romains, je vais lire littéralement V5 et V I majuscule. Entre parenthèses, point. D'ordre de la hiérarchie, entre parenthèses, point. Monsieur Caleb Moutonde, entre parenthèses, point. Ancien administrateur général de l'ANR, c'est-à-dire l'Agence nationale des renseignements, entre parenthèses, point. Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais ceux eux-mêmes de la DGM, ils comprennent le jargon. Être interdit de sortir du territoire national. Toujours parenthèse, point au milieu. Stricte application et large diffusion. Eh bien, nous contribuons à cette large di diffusion en appliquant ce qu'ils demandent à tous les responsables des frontières. SP. Point, 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 tous les trois points entre parenthèses. Cachet de la DGM. Alors, 06 barre 110, signature. Bon, ceux qui sont dans les services secrets ou dans cette direction des migrations, ils comprennent ces codes-là, 06 barre 110. Alors, le cachet, est-ce qu'il y a possibilité d'agrandir ce cachet? Je ne sais pas, je vais essayer. Chers compatriotes, j'ai agrandi le cachet, mais il est flou. Bon, l'essentiel, nous voyons ici au milieu, c'est l'armoirie. L'armoirie du Congo. Et comme l'entête, là, indique DGM. DGM, nous l'avons vu tout à l'heure, l'entête. Voilà, c'est ça l'entête. Attendez. Vous voyez bien, DGM. Direction générale de migration. On pense que c'est à l'aéroport où Caleb Moutonde a été arrêté. Ceux qui connaissent ce cachet vont le reconnaître très facilement. Voilà. Voilà. Je vois là, c'est direction. Oui, ça c'est direction. Ouais, je suppose, hein, ça c'était un D. Je vois c'est TION à la fin. Direction. Sûrement ça c'est général. Le reste,
Ah oui. Chers compatriotes, c'est facile à deviner. République démocratique du Congo. Suivez mon curseur là. Regardez. République démocratique du Congo. Voilà. Ouais. Ici, à l'intérieur, ça c'est un L apostrophe. Ce L apostrophe, je pense que il s'agit de l'aéroport, peut-être. De l'aéroport, c'est possible. Alors, en bas, direction générale. Direction générale. Ben, peut-être ici, ça, c'est des migrations. C'est possible. Bon, l'essentiel, j'ai essayé d'agrandir hein, pour pouvoir lire le contenu du cachet. Chers compatriotes, voilà tout le document sous forme de vidéo. Voilà, c'est une preuve. Voilà, chers compatriotes, ici sur le média de Jeune Afrique, la publication de Jeune Afrique, on peut considérer que ça fait partie aussi de la suite de la saga de Caleb Motande. On peut lire sur ces titres où vous voyez parmi lesquels figure aussi Chadari. Le tribunal de l'Union européenne a rejeté le 12 février les recours déposés par 15 proches de Joseph Kabila, placés sous sanction. Vous voyez, chers compatriotes, comment on peut le voir? Alors, on bouge le curseur pour voir. Ces derniers contestaient la légalité de ces mesures restrictives. Nouveau rebondissement dans le bras de fer qui oppose l'Union européenne à certains proches de Joseph Kabila. Le tribunal de l'Union européenne a rejeté dans une décision du 12 février 2020, bien sûr, le recours déposé en mars 2018 par les collaborateurs de l'ancien président. Ces derniers sont visés depuis décembre 2016 et mai 2017 par des sanctions pour violation des droits de l'homme et entrave au processus électoral. Alors, nous bougeons pour lire la suite. Parmi ces personnalités, dont la plupart sont de haut gradé militaire et des personnalités politiques proches de Joseph Kabila, figure Ilunga Kampete, Gabriel Amissi Kumba, Ferdinand Ilunga, Célestin Kanyama, John Numbi, Roger Kibelisa, Delphin Kahimbi, Évariste Boshabo, Alexandre Kandé, Jean-Claude Kazembe, Lambert Mende, Éric Rouorimbéré, Emmanuel Ramazani Shadari, Mohindo Akili Mundos et bien sûr Caleb Moutonde, dont la série noire continue. Voilà. Jeune Afrique propose aussi à lire RDC 15, proche de Joseph Kabila, demande à l'Union européenne de lever les sanctions à leur encontre. C'est bon, ça, c'est du passé. Voilà, aujourd'hui, ça a été rejeté, comme vous voyez là. Voilà, on va continue avec le reste de l'actualité. Dans la vidéo qui suit, le président est allé visiter le campus universitaire de Kinshasa.
Il reçut avec joie, regardez l'engouement. Ils sont très contents. Après l'université, il va visiter les sauts de moutons et vraiment, il sera dessus. Bon, on attendra une bonne décision de sa part après la visite de ces sauts de moutons. Regardez. Regardez maintenant, chers compatriotes, Ndenge peuple, Azali Kosa, la différence entre le président Félix Tshisekedi na Vital Kamerhe. Donc, Bazali Kolola, Vital Kamerhe, Bazali Koganga, Vital Kamerhe, Moïbi. Voilà. Constatez-le par vous-même, chers compatriotes.
Voilà, bonjour, mon cher Joseph. Bonjour. Oui, bonjour, bonjour mon frère Bonsoir camarade. aussi, hein. Ouais. Bonsoir, ça va et toi? Comment tu vas maintenant? Ça va mieux? Ouais, je vais bien par la grâce de Dieu. J'aime beaucoup tes lectures, ton analyse de l'actualité politique de chez nous. Alors, je Oui. voudrais te poser quelques deux ou trois questions sur l'arrivée de Peter Pham, l'envoyé spécial de Donald Trump au Grand Lac. J'ai dit l'envoyé spécial de Donald Trump, pourquoi? Pour faire comprendre à nos compatriotes que c'est lui-même qui a dit que lui, quand il parle, il est la bouche de Donald Trump. Il a dit ça lui-même, Peter Pham. Voilà, et on a constaté que il n'a pas sa langue dans la poche. Il dit que il est arrivé pour former du personnel dans la lutte contre la corruption et qu'il va aider le président Félix Tshisekedi dans la lutte contre la corruption. Il a tourné le dos à Martin Fayoulou. Donc, il est carrément dans le banc. Il va aider le président Félix aussi dans la sécurité. Et puis, depuis qu'il est venu, nous constatons qu'il a un peu de force. Alors, quelle est votre lecture de cela? Ben, c'est déjà, avant de parler de. Merci d'abord de m'avoir accordé la parole. La première chose qu'on peut faire comme remarque est que personne n'attendait le président Félix Tshisekedi à recevoir de tels honneurs de la part des Américains. Il a été reçu comme, comme on dit, dans des termes qu'il est dans la famille. Les Américains ont longtemps convoité ils sont chez eux au Congo. Et le travail qui a été abattu en amont par notre frère, le défunt Gilbert, et avec tous les autres évidemment, parce qu'il n'y a pas que Gilbert, et qui savent payer. Et les Américains commencent, ils ont reculé, ils ont dit non, il faut qu'on retourne au Congo parce que c'est chez nous. Et l'explication que le président Félix Tshisekedi a donnée aux Américains, il les a convaincus que voilà, il y a quoi manger et à boire là-bas. Donc ils sont venus pour consolider le président, pour lui dire que travaille, n'aie pas peur, menace, ouvre-toi au monde, tu es entre nous, tu es dans de bonnes mains, tu es américain, tu es devenu américain, note ton travail, nous les soutenons et nous allons travailler ensemble. Est-ce que tu n'es pas par hasard ce qu'on appelle taliban? Parce que tu ne Je vois pas critiques, du tout. critiques vraiment pas le mauvais côté. Mais non, 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 non. Quand il y a des choses qui sont sérieuses, nous sommes sur la bonne voie. Pour les pays, nous devons soutenir. Il est là. C'est un homme qui est un peu. Souvenez-vous ce qu'il avait fait à Bruxelles quand il était jeune. Vous vous souvenez? Il a été blessé. Il avait une chemise en sang. Et Ah ça, oui, à il a l'époque, fléchi. oui, quand il était jeune. Ah, vous ne le voyez pas. C'est un garçon qui est très fort, il est timide, mais à l'intérieur, il est fort. Comme déjà sa force, c'est par sa carrure physique, tu le sens déjà que c'est un homme qui est imbattant. Donc il va sortir des choses que personne là-haut l'attendait. Il va sortir de là. Et là où il va faire des bons, là où je crois que c'est le mal pour être de faire des sauts qu'il faut avoir, il faut être jeune, il faut être extrêmement mince. Mais lui va faire des bons. Pourquoi? Parce que comme il est entre les mains des Américains, il va prendre l'Afrique centrale entière. L'Afrique centrale, mais il va la récupérer. Ça, je te dis la vérité. Oui, bon, qu'est-ce que vous pensez de ceux qui l'ont critiqué que jusqu'à présent il n'a reçu que des promesses, que des promesses. Il part aux États-Unis, des promesses. En Europe, rien, des promesses. Il revient que des promesses. Et aujourd'hui, avec Peter Pham, la grande société générale électrique des États-Unis a signé un mémorandum d'accord, comme on l'appelle, pour investir au Congo. Et on appelle ça le tout premier investissement privé américain. Qu'est-ce que tu penses de cela?
Merci beaucoup pour les. Déjà, tu sais que le barrage d'Inga, c'est un barrage, on peut dire tout ce qu'on veut, mais c'est un barrage américain, pas pour nous. Qu'est-ce que cela veut dire? Donc, là, il y avait les Espagnols qui voulaient venir investir. Ils ont buté sur le montant que notre nouveau gouvernement a mis en place. Parce qu'il y a les Espagnols qui ont voulu essayer. Oui, je me Avec la souviens, coquille. oui. Oui, que sous la coquille, il y avait les Américains qui ont dit, mais non, arrête. Ça, c'est notre morceau. Faut pas qu'on puisse. Parce que les courants du Congo, il est vendu presque dans les trois tiers des pays d'Afrique. De deux tiers des pays d'Afrique, excuse-moi. Deux tiers des pays d'Afrique des courants vendus. Donc, ils veulent intensifier parce qu'il y aura d'autres satellites qui vont être implantés dans l'espace. Ils veulent que le barrage d'Inga joue son rôle et d'une façon vraiment plénière pour qu'il puisse vraiment être rayonné au niveau du barrage. Ouais. Parce que bon, ça, c'est pas notre sauce, mais bon, c'est des contreparties comme on signe en matière politique étrangère. Mais les problèmes, c'est quoi? Nous, on voudrait que le Congo se développe. On a besoin d'économies fortes. Et le président, il a eu le temps de pouvoir d'abord s'apprivoiser de la politique étrangère. C'est pas facile, les accords diplomatiques. Les accords diplomatiques, quand on les signe, il faut avoir des épaules larges. Quand tu n'as pas d'épaules, si tu ne connais pas les systèmes, tu ne peux pas déboulonner. D'abord, un, déboulonner le passé, déboulonner l'intérieur, mais déboulonner aussi les politiques extérieures. Parce qu'il faut être fort sur le plan diplomatique, c'est-à-dire que les langages que les Américains ont vis-à-vis de notre pays, toi tu dois leur dire non, ou tu vas leur dire oui, mais tu ne peux pas être monsieur oui, et tu ne veux pas dire monsieur non, non, parce que c'est comme ça, sinon tu rates le marché. Et lui, il avait besoin aussi de temps d'aller dire, bon, je vais réfléchir, attends, je vais dormir un peu demain matin, je vous donne la réponse. C'est comme ça que ces allers-retours, là, ça le faisait aussi apprendre et apprécier. Il y avait des désappréciations et des appréciations. Il a cultivé sa connaissance et puis il s'est informé. Et voilà, il a fait son bonhomme de chemin. Mais bon, c'est vrai que la population souffre quand on entend tous les cris, les larmes, toute la population qui souffre. Mais ce n'est pas en une année, même ici, chez nous, ici. Oh, c'est très difficile en une année de s'en sortir. Donc, en une année, donc, c'est ça que je peux dire que laissons un peu de temps au temps. Heureusement, c'est arrivé avec le premier investisseur privé comme ça. Donc, ça encourage aussi, les autres vont suivre. Parce qu'il n'y a pas que seulement les barrages d'Inga. Il y a beaucoup de barrages qui seront construits. Il y a beaucoup de barrages. Et puis, il y a les panneaux solaires qui vont venir aussi, qui vont venir se greffer dans notre système d'énergie. Donc, il y a le marché est énorme. Il y a un gisement très énorme qui vont exploiter là-dessus. C'est comme ça que je tiens à ça que bon, les Américains soient au premier plan. Merci. Merci parce que. OK. Maintenant, quels sont vos pronostics pour le rassemblement du 15 février au stade des Martyrs avec Jean-Marc Cabonde de l'UDPS et tout ça? Ben, ça sera, je crois, que la première fois qu'on verra l'UDPS depuis très très longtemps rassemblés autour de quelque chose, parce que c'est la population qui sera émue de voir qu'enfin nous sommes en train de sortir la tête dans l'eau. Parce que ce qui va se passer là, ça sera grandiose. Jamais une population sera à l'intérieur et à l'extérieur pour une même cause. Et je ne vais pas donner des indices de ce que je sais, de ce qui va se passer, mais sachez qu'il y aura du monde. Mais ça sera une histoire, ça sera une nouvelle histoire, une nouvelle ère. On dit que le président va venir, mais est-ce que vous ne trouvez pas que le président est au-dessus des partis politiques? Il est au-dessus des partis politiques. Comment est-ce qu'il peut venir au stade? Oui, il peut. Il peut aussi venir parce que ce n'est pas au nom de parti politique qu'il viendrait, au conditionnel, je dis bien, il viendrait au nom de la population. Parce que la population l'attend au tournant. Il n'a jamais dit un mot depuis qu'il est au pouvoir. Il peut profiter de cette occasion de venir dire non, je ne suis pas d'abord un. Qu'est-ce que veut dire UDPS? Je sais bien qu'est-ce que signifie UDPS. En fait, Jean-Marc Kabound a invité les partisans de l'UDPS, ou bien il invite tout le peuple congolais? Oui, mais il a invité le peuple congolais, il n'a pas invité. Même s'il dit venez, 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 mais il a invité la population, en fait.
Il n'a pas invité seulement l'UDPS parce que bon, le président qui est au pouvoir, il vient de l'UDPS, mais ce qui va se dire là-bas, c'est pour la population. Ok. Je peux ou ne pas venir? Bon, maintenant, je vous pose une question sur Jean, qui ça? Caleb Moutonde. Caleb Moutonde, vous savez, le tortionnaire, c'est lui qui est à l'origine de beaucoup d'arrestations, beaucoup de tueries, de crimes contre l'humanité aussi. Pourquoi on l'interpelle à l'aéroport? Après, quand on le relâche, il dit que j'ai jamais été interpellé, c'était... il est parti de son gré voir son adjoint qui est devenu aujourd'hui l'administrateur général de l'ANER à l'aéroport. Et il a le culot de dire que, ah oui, en fait, j'ai voyagé avec un passeport diplomatique parce que je suis le conseiller du Premier ministre. Depuis quand il est conseiller du Premier ministre? Est-ce qu'il ne veut pas montrer par là que je peux faire ce que je veux, ce pouvoir est faible, je peux faire ce que je veux? Quelle est votre lecture? Ça, c'est comme on dit, ça, c'est quelqu'un qui va donner un coup de bâton dans l'eau. Si tu donnes un coup de bâton dans l'eau, je pense pas que si la personne est au fond de l'eau, tu vas la taper. Donc, ce qu'on pourrait dire dans l'ensemble, que bon, le service des renseignements l'a mis à nu à un lieu public. Et c'est une porte. L'aéroport, c'est une porte pour entrer dans un pays, sortir d'un pays. Quand tu sors dans un pays, que tu passes par l'aéroport, c'est pas d'aujourd'hui, hein. Je pense que ça y est plusieurs fois, il y a eu beaucoup de tentatives pour l'attraper, parce qu'il y a aussi le renseignement, mais le service de renseignement nouveau, il est supérieur, parce que bon, il faut pas se voiler la face, que nous sommes aidés par un autre système qui vient de se mettre en place, que je ne vais pas divulguer. Donc, nous sommes en train de... Il y a un autre système... Mais s'il se comporte ainsi, c'est que Kabila est derrière. Oui et non, mais c'est un serpent à mille têtes, je dis. un serpent à mille têtes. Oui, parce que, bon, le pouvoir, la Kabila, elle a implanté beaucoup de ramifications. Des gens qui sont complices, même des propres Congolais qui sont jugés devant le public... Qui se croient être Congolais, qui voient la misère, le pays est en train de souffrir, copie des gens qui sont morts, mais ils n'ont pas les sang, ils n'ont que de l'eau, ils n'ont pas de cerveau, mais à la place, ils n'ont que de la farine, de manioc, c'est tout, ils n'ont rien, ils n'ont pas de cerveau, ces gens qui doivent juste comme ça. Caleb, s'il devait réfléchir, il devait se dire, il devait se mettre à genoux, il devait aller lui-même se mettre à genoux en disant que voilà, ce que je fais, ce n'est pas bien, mais changeons de méthode. Puisqu'il y a certains de ces dirigeants qui sont là-bas au pays, qui savent bien comment ils sont arrivés au pouvoir, on ne va pas tout le temps les répéter, on l'a assez dit, et qu'ils ne sont pas les nôtres, ils sont pas voulus pour développer un pays. Parce que t'imagines un homme qui dort, qui se réveille avec une belle voiture, il rentre chez lui avec une voiture sale, parce qu'il est passé dans des routes qui sont pas propres, et qu'il s'est dit « je suis millionnaire », qui s'est dit que je suis ministre, qui s'est dit que je suis président, qui s'est dit que je suis le plus fort du monde. Il faut être idiot pour être, pour ne pas comprendre les choses comme ça. Même un gamin de 10 ans peut dire, mais vous êtes des bêtes, vous n'êtes pas des hommes, parce qu'il faut être des sanguinaires pour laisser le pays à cet état-là. Hein? Ça, je ne mâche pas mes mots, je ne mâche pas mes vocabulaires, je dis la vérité, que c'est des gens qu'il faut mettre à l'échafaud, bah, excuse-moi les termes. À l'échafaud, il faudra attendre... le tribunal pénal international ou congolais, parce que c'est le président Tshisekedi qui a dit que ces gens-là seront jugés seulement au Congo, espérant que la justice congolaise, à ce moment-là, ne sera pas infiltrée par la Kabylie. C'est ce que je t'ai dit, que c'est un serpent à mille têtes. Quand je dis serpent à mille têtes, donc il faut savoir combien de mille têtes là-bas. Est-ce qu'il y a une mèche très très haute, très puissante, et est-ce qu'il y a une main extérieure qui agit dans tout ça? Parce que s'il y a une main extérieure, il faut d'abord anéantir toutes ses racines. C'est ce qu'il est tenté de faire, je pense. Ouais. Le service des renseignements, il commence à devenir, il commence à prendre des ramifications, mais n'est pas encore fortifié parce que nous sommes encore, il y a encore des gens qui sont encore à l'intérieur. Mais pour les déboulonner, nous sommes capables, si on se met tous ensemble, pour aider notre pays, aider le pays à se développer. On ne doit plus se regarder, oh, voilà, tu es qui, non, arrêtez tout ça, il faut qu'on y avance. Quand on veut avancer, il faut qu'on agisse. Pour agir, il faut qu'on garde tous unis, comme on fait dans le rugby, comme on dit, il est au-dessus de la mêlée. Quand on est quelqu'un au-dessus de la mêlée, donc il faut l'aider, quoi. Il faut qu'on avance. Quoi. Ouais. Ok, seriez-vous d'accord pour
la dissolution du Parlement, parce que la majorité des Congolais en ce ça, moment. Ça, c'est même pas une question à poser. C'est maintenant nous sommes dans le couloir de la dissolution. C'est pas que nous sommes dans le couloir de la dissolution. Ça, c'est évident. Ah oui. La majorité de la population le pense et puis. Ils ont eu le temps de pouvoir finir parce que là où FCC a raté son coche, c'est eux qui sont venus dire qu'on va travailler ensemble. Mais en même temps, ils viennent avec des cales comme si c'était un véhicule. Vous voyez que les véhicules n'avaient pas des freins. Voilà. Ils mettent les cales là où. Même sur la route où il faut qu'ils puissent aller vite, ils ne veulent pas. Ils disent non, on met d'abord les cales, on s'arrête d'abord. Qu'est-ce qu'on fait? On boit de l'eau. Mais non! On veut avancer parce qu'il va pleuvoir. Non, en plein milieu de comment ça veut dire, pont, ils mettent des cales. Mais non, mais là, ils vont risquer de tomber. Non, on met des cales. Excuse-moi, je veux te dire, mais mon expression est bonne. C'est comme ça qu'ils veulent agir, mais c'est comme ça qu'on ne peut pas cautionner cette coalition puisse fonctionner. Moi, je leur donne même pas 4 mois. C'est trop. S'ils vont à 4 mois, c'est pas bien. Parce que nous allons tomber, ou à moins que le président puisse leur donner la chance et qu'ils puissent aller pour le 30 juin, pour organiser la fête du 30 juin, peut-être pour ça, il peut retarder un peu, mais moi je dis, il faut que ça aille plus vite. Plus vite, c'est mieux. Plus vite, c'est mieux, parce que les 30 jours vont vite passer. Regarde la ville, comment elle est sale. Le président doit avoir, il a un nœud dans son ventre en regardant la ville, comment elle est sale. Quoi. Ouais. Il veut pas recevoir, il va recevoir les rois, tout le monde, avec une ville sale comme ça, c'est pas bien. Quoi. Il faut qu'il y ait d'abord les moyens, la propreté d'abord, c'est les minimums, c'est la propreté, les minimums. Et puis à manger, les gens qu'il faut qu'ils mangent, qu'ils ne soient pas les gens qui viennent là-bas en train de regarder seulement la télé, mais il faut qu'ils mangent, qu'il y ait de l'eau, des canons. Des véhicules, des bateaux qui doivent accoster à Kinshasa avec du riz, de farine, plein de choses qu'on peut pour essayer un peu d'alimenter vite, pour faire. La première nécessité pour essayer un peu d'alimenter la population. Voilà, à peu près. Donner l'espoir un peu. Voilà, les indices que je fais. Parce qu'il y a un signe de désespoir. Voilà. Ok. Joseph Wamba, je vous remercie beaucoup pour votre contribution. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup, Kara. Allez. Merci. Au revoir. Au plaisir. Au revoir. Merci. Alors, chers compatriotes, au revoir. Boutique à la Malamou, Benobikanambote, Wandugwapenzi, Tunamaliza, Tutaonana, Kesho, Pampangiamono Yaluzolo. Benu bikalambote betu tamalana mbasi bala betu basuibe shala ibib netu munana chikondo chikwabu kuvideo mukwabu ana lengo amboshila.